Bonjour à tous, je suis en compagnie de Cédric, un client qui vient de rentrer. Il nous a rendu visite. Tu viens d'où? De la Marne. De la Marne, très très haut. Et il avait envie de voir ça. Et comme ça fait partie du unboxing, eh bien, on va commencer. C'est un Rubik's Cube 2x2. Et comme j'ai expliqué auparavant, tous les cubes peuvent se mettre n'importe où. Pas comme celui-ci, que le vert qui est là sera toujours en face du bleu qui est ici. Donc le bleu et le vert, on a beau mélanger, ils resteront toujours en face. Donc il y a des faces qui ne changent pas. Donc si on met le chiffre 3 ici et le chiffre 4 ici, on aura beau mélanger, le 3 et le 4 seront toujours un en face de l'autre. Alors que là, non. Si là, il y a le 5 ici, si on veut que le 2 qui est ici se mette à côté, on peut. Si on veut que le 2 qui est ici se mette à côté, on peut. Donc tous les chiffres peuvent se mélanger. Et je l'ai regardé, je crois qu'il y a, je sais pas combien de combinaisons, je le dirai dans le unboxing, combien il y a de combinaisons. Ça, c'est monstrueux. Et surtout, avec un petit comme ça, on dirait pas. Donc là, tu vas mélanger, mélanger. Et tu vas regarder la face du dessus, n'importe laquelle. 4 et 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Là, il y a 10. Si tu tournes ne serait-ce que 1, ça fait plus 10, ça fait 5 et 4, 9, 10, 11 et 1, 12. Donc à chaque fois qu'on tourne, le chiffre du dessus ou dessous ou sur les côtés change et ça fait un autre chiffre. Avant de commencer, j'ai fait une prédiction ici. Et on va mélanger chacun notre tour, le jeu. Comme ça, au moins tu vois ce que je fais. Tu mélanges. Tu peux regarder les cartes, il n'y a aucun souci. Classique. Tu peux remélanger. Tu coupes où tu veux. Tu peux choisir. Et voilà. Maintenant, tu prends le mien et tu fais la même chose. Tu mélanges. Tu coupes où tu veux. Et c'est fini. Et on peut faire ça autant de fois que tu veux jusqu'à ce que tu me dises, on arrête. C'est bon. C'est bon? Allez, on... Tiens, on va vérifier les cartes. Bon. On s'arrête là? On s'arrête là. Je le mélange ou je le pose? On pose. Je mélange pas? Non. Enfin. Alors, le jeu a été bien mélangé. Maintenant, on va mélanger le cube. Et tu vas poser le cube sur la table et on va additionner les cartes du dessus, juste pour donner un exemple, parce qu'après on jouera avec les points qui sont en dessous. Donc là tu comptes 5, 5, 10, 16. 14, 16. Encore différent de tout à l'heure, qui avait 12 et 11. Donc tu comptes 16 et tu vas voir sur la carte. Tu peux même les compter face en l'air. 1, 2, 3, pour voir que 5, toutes les cartes sont 6, différentes. 7. 10, 11, 12, 14, 15. Et la 16e, 16. C'est ça. D'accord? Tu aurais eu 15, aurait été un autre, et ainsi de suite. À chaque fois, ça change. Tu peux poser le jeu par-dessus. Donc maintenant, miracle, on va le faire avec les cartes, les chiffres qui sont dessous que personne ne voit. Donc là, ça fait 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tu comptes 12. Et n'oublie pas qu'ici j'ai une prédiction. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. La 12e, c'est un valet de trèfle. La 13e, c'est un dame de carreau. La 14e, la 15e, de toute façon, ça a été mélangé. Et là, pareil, as, 4, 10. Tu aurais pu tomber à chaque fois sur n'importe laquelle, puisque tu as mélangé, et en plus, tu as mélangé ça. Ici, j'ai une carte de prédiction, valet trèfle. Et moi, j'ai choisi valet trèfle. Bravo. C'est beau, ça. C'est très beau. L'avantage, c'est que vous n'avez pas besoin de savoir résoudre un Rubik's Cube. Vous mélangez, vous faites une prédiction à l'avance, celle que vous voulez. On peut en faire autant de prédictions qu'on veut. Là, j'ai choisi valet trèfle. Et bim, ça tombe sur le valet trèfle. Voilà, bien ou bien? Très bien. Toi qui n'aimes pas les Rubik's Cubes, peut-être que ça va te...
je vais changer d'avis. Je vais peut-être vous laisser en compagnie de Jérôme parce qu'il a un autre tour à lui faire. À tout de suite.